Bonjour et bienvenue encore une fois dans nos plateaux. C'est une semaine très particulière comparée aux autres parce qu'il nous peut célébrer la fête de la musique. À Maurice, nous avons beaucoup de talent et la musique, c'est un or. Aussi, une façon pour passer une good vibes, comment le dire. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Bien sûr, il est un artiste, lit santé et dessiné. Nous accueillons Jordan. Jordan, merci pour votre appel. Merci pour l'appel. Jordan l'artiste, de nous-mêmes, c'est un or. Dis-nous, c'est l'inspiration-là que ça sortit, pour ce nom-là. En fait, mon nom c'est Jordan Mathieu. Et dans l'or, on fait dans plusieurs styles d'or, plusieurs domaines, sculpture, la musique. Et ma profession, c'est tatoueur. Et là, ça fait 10 ans que je me tatoue. On travaille un petit peu partout. On travaille ici, Maurice. On travaille un peu au Sud-Afrique. Et dernière fois, je suis à La Réunion. Et là, je suis de retour à l'ONU Lille. Ouais. Quel endroit tu es né? Quel endroit tu sortis? Un grand endroit. Moi, je suis au Point de Sable. Point de Sable. Je suis au Point de Sable. Comment tu étais là-bas quand tu es grandi? Là-bas, c'est. En fait, moi, je suis la côte. C'est la mer, c'est la nature. Et. Ouais. Qui m'a fait que tu comptes faire de la vie d'enfance? C'est de la vie d'enfance. Moi, je suis un peu bricoleur, moi, parce que moi, je n'ai pas les comptes en bricoler. Et en même temps, il y a un artiste aussi. Ouais, il fait sculpture. Donc, c'est grâce à. Avec l'IM, on voit un peu avec lui, avec côté moi, ça veut dire. Qui m'a mis mon tonton tatoueur ou mon cousin tatoueur. Et au fait, ça a fait un mélange. Côté, un petit peu côté la musique aussi, côté moi. Pareil, côté moi, pas ici. Et moi, je fais tous les deux ensemble. En même temps, c'est ça qu'on appelle moi l'artiste. Parce qu'il m'a un peu comme un rythme comme ça, me pose un peu l'eau. Un peu de tout le feeling, un rapable. Ouais, parce que l'art, c'est une affaire générale. L'art, c'est ni pas tout. Non, en tant qu'un artiste, qui fait une inspiration pour Aldo Hadomène? Tatoueur. Oui. C'est mon tonton. Ouais, c'est mon tonton. Qui, comment dire, je trouve ça comme dans mon vacances, l'école, longtemps, je passe dans mon studio tatouage. Et ça, dans mon tonton, depuis que tatouage, toujours, moi, je prends mon livre tatouage, je fais mon dessin, je vais essayer de reproduire ce que je peux trouver. Et ouais, voilà. Catégoriquement, qui va te repasser pour ton talent et la musique? Moi, tout le temps, j'ai une vibe positive. J'ai une vibe positive. Bon, pas pour. Parce que je pense que l'art, c'est un moyen pour passer un message. Ouais, c'est pour ça que je fais un tableau, je fais plus un tableau portrait. Je suis une célébrité en même temps. Un petit jeunesse qui peut lever, qui a un talent, mais en même temps, je dessine ça comment dire, pour passer un message. Pour passer un message. Tu exprimes ta part à talent là, que tu as là. Voilà. Est-ce qu'il te fait lire à plein temps ou bien tu gagnes la vie autrement? Tatouer, je fais à plein temps. Et tableau, c'est plus un moyen pour moi pour sentir moi free. Libérer moi parce que quand on met un pinceau et un tableau devant moi, je me sens dire me couper, me déconnecter avec tout. Et tatouer, c'est plus ma profession. Plus content qu'on m'a dit faire ça dans ma profession qui me voit faire un tableau. Tableau, c'est plus un passe-temps pour moi. Ouais. Tu as une profession et un passe-temps, tu l'aides. Ouais. Tu vas même en studio ensemble. Non, on va même en studio ensemble. Et surtout la musique aussi. Parce que tout ça fait demander le temps. Et monsieur, moi j'ai triangulé, moi j'ai beaucoup donné un petit bout dans le sac, dans la musique, dans le tatouage, côté peinture aussi. Et dis-nous, comment tu structures de la journée en le temps que tu passes en studio et de la vie familiale et aussi pour le tatouage? Comment tu fais ça? Ça lui dépend. Il dépend, je prends rendez-vous tatouage, parce que tatouage, je prends rendez-vous. Là, je prends Instagram.
Instagram. Ouais, bon, on va débouler là. Et la vie familiale. Normalement, mon père reste Maurice, mais là, je suis bloqué en ce moment à Maurice. Je suis plus la Réunion, je madame la Réunion. Et une autre affaire encore, je fais mon propre mock vêtement, drop it, qui ne m'a pas encore lancé. Et je fais un clip pour Cheikh Kalam bientôt, Island Framework. Et je pense pour faire le lancement là, dans ce clip là, au mock vêtement. Ça veut dire que côté homme, drop it, et puis dans Ivy Le Collection, ça, c'est mon madame qui gère. Qui style la musique te content faire? Qui beaucoup? Mon père a une préférence. Mon père a vraiment une préférence parce que mon fait différent la musique même. Ça m'a plu après c'est un reggae pour passer un message. Et mais mon lancement plus dans rap parce que pour moi moi trouvé qu'il langage créole. Mon pas gagné mettre vraiment et langage créole quand même pas gagné mettre vraiment mon texte que j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai un plus de côté rap parce que rap tu gagne tu sté tu gagne envoyer plus de messages et moi mon content message. Qui te pense l'évolution dans le monde de la musique à Maurice et surtout pour les jeunes qui peut rentrer dans l'autre jour. Je trouve l'évolution va très vite surtout en ce moment. Ouais. Il va très vite et moi mon conseil banzen envoyer bon message. Ouais, faire bon message passer parce que le message allait vous rester là. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important pour moi, c'est ça qui est plus important, c'est ça message. Ouais. J'ai nous te parle projet en ce moment, le qui te travail. En ce moment là, on a une petite surprise pour venir. Je vais plus concentrer le moment de vêtements et la musique, un petit son qui m'a fini enregistré, un petit rap et qui est en tournage en ce moment. L'idée c'est me promouvoir mon mock dans le clip et là pour une petite surprise qui m'a montré que tout le monde. Ah ben c'est très bien, tu veux promouvoir ton mock de vêtements en même temps tu peux lancer ton bossio, tu es lié dans une seule vidéo. Bon, pour les affaires. Mais je suis capable d'avoir un petit bout d'extrait de ce morceau-là en exclusivité maintenant. Là. J'ai un problème. Et pour bâtir, j'ai un petit instrument. Pour ce petit instrument, j'ai déjà eu une idée comment y aller. Tout bon message n'est plus important. Je dis moi de moi qu'ils ont mis dans la tête aux enfants. Boum, boum, bang, bang, si ça même je suis content. Moi personnellement, je préfère les temps longtemps. La fin des temps fin vin si sentit tout du monde fin blie à quel point les catastrophiques te permet toi vin dire moi qui sente c'est cannabis synthétique qu'avez vu mic mic mon vidéo toi nikta écoute ça refaisis d'après te penser prendre les tanguet autour de toi mon a l'impression qu'il nous la vin n'est plus prêché qui ban bon moment nous n'est plus qu'on a prêché qui valait nous la musique fin de prêcher tant qu'il est pas reconnaître qu'il a vie d'artiste lien de métier pour il a toujours un des bras cognés yeah. Wow, c'est du tout aussi. Merci, merci. Merci pour faire du temps aujourd'hui. Nous connaissons que la vidéo est toujours en tournage, mais d'après toi, est-ce qu'il y a une date spécifique pour l'une du vidéo là? Et une date spécifique, non. Mais ça fait là pour très bientôt. Bientôt, il est sorti et c'est ça la surprise. Et vous pensez quand il est sorti, il est temps de faire. Maintenant, une question bien pertinente. Qui va une difficulté pour un artiste faire face pour monter un morceau? Une difficulté, pour moi personnellement, je pense que côté maza, côté l'enregistrement, côté le temps qu'un artiste peut prendre pour lui faire ça, pour lui écrire sur un texte. Et difficulté, je pense que c'est le côté le temps. Parce que là-dedans, un artiste ne peut pas penser qu'il gagne un bel billet dans ce qu'il veut faire, mais c'est plus une passion. La difficulté, c'est qu'il a besoin d'un travail à côté et en même temps concentrer, consacrer à sa passion. Et c'est ça qui est la difficulté, je pense, que l'artiste nous fait face. Avant de terminer,
à l'occasion de la fête de la musique, est-ce que tu as un message à passer au public? Mon message, c'est de toujours rester positif, malgré qu'il y ait un problème Covid dans ce moment. C'est qu'il y a toujours rester positif et nous rester faux. Et one love. Yeah. Jordan, je souhaite toi succès et bonne continuation aussi. Merci de répondre à l'appel pour venir nous parler aujourd'hui. Et merci vous même pour l'invitation. Et merci à vous aussi, vous autres. Un petit cadeau. Et un petit tableau qui m'a fait à moi-même. Et Aïda. Merci beaucoup. Sinon, Aïda. Waouh. Merci. Merci beaucoup. Voilà, tableau peint par Jordan l'artiste. Merci, vous voulez. Allô, tiens. C'est toi, succès. Et Alain Framework, qui est toujours là pour soutenir toi, le tout projet à venir. Plaisir de vous partager. Sinon, Aïda, ben, stay tuned. Vraiment, une gros, grosse surprise pour venir. Pose-toi bien et bless. Magnifique tableau de nos camarades l'artiste. En l'occasion de la fête de la musique, d'une nouvelle émission La vie artiste qui vient de faire ce début la semaine dernière. Si vous n'êtes pas encore guetté, à check ça, je vous découvre ma nouvelle artiste locale et ma difficulté que je fais face dans la vie de tous les jours. Moi, c'était Anis de Alain Framework. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci.